Nous sommes aujourd'hui à Adja, dans la commune de Velengara-Ferlo, pour procéder au lancement des travaux du projet électrification de villages très éloignés des réseaux. C'est un projet très important pour le gouvernement du Sénégal, car il s'agit de développer ce contexte social. Donc c'est un projet que nous menons avec l'Union européenne, qui est financé à part égale, donc 5 milliards par le gouvernement du Sénégal et 5 milliards par l'Union européenne, qui nous permettra dans cette première phase d'électrifier 77 villages dans les départements de Ranérou, Matam, Kanel, Bakel et Goudiri. Le choix de ces départements est dicté par le fait que l'Union européenne a souhaité, à travers ce projet, fixer les populations dans leur localité et éviter les impacts négatifs de l'immigration clandestine. Donc c'est un projet qui permettra à 50 000 personnes d'accéder à l'électricité dans 77 villages pour un coût global dans cette première phase de 4 milliards 357 millions. Et au niveau du département de Ranérou, c'est un projet particulièrement important parce que jusqu'ici, il n'y a que Ranérou et Lumbol Samba Abdoul qui ont l'électricité. Et avec ces projets, nous allons pouvoir électrifier 20 localités dans le département de Ranérou. Donc ce qui va contribuer à améliorer significativement le taux d'électrification rurale dans le département de Ranérou, surtout dans l'arrondissement de Velengara-Ferlo. Où en êtes-vous dans la région de Matam sur un plan plus global? Oui, au niveau national, nous sommes à un taux d'électrification de près de 54%. Officiellement, on parle de 53,9% et avec un taux de couverture qui a atteint les 70%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le milieu rural, 7 Sénégalais sur 10 vivent dans des localités électrifiées. Mais quand on le dit, on oublie aussi qu'il y a beaucoup de villages et hameaux qui sont très éloignés du réseau, qui ne bénéficient pas encore de l'électricité. Et on est en train d'y travailler à travers ce qu'on appelle le plan accès universel que le président de la République a mis en priorité dans son programme de gouvernement pour ce nouveau quinquennat.